âgés d'entre nous, contre le Borussia Dortmund, tu te rappelles de ce but. Tout ça, c'est des détails, si on rappelle les 8 titres de champion d'Italie, les 705 matchs sous le maillot de la Juventus, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs sous le maillot de la Juve. C'est des joueurs, aujourd'hui, qui ont joué avec des grands clubs, Milan, Marseille, Chelsea, la Juventus, la sélection française, la sélection italienne. Donc c'est un immense plaisir, un immense piacere di ricevervi qua a Tunisie. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici à Tunis pour cette soirée placée sous le signe des légendes, parce que ce sont deux légendes que nous avons avec nous. Donc, évidemment, باب الأسئلة باش يكون مفتوح. Question and answers later for my colleague. Peut-être un mot de Susanna pour commencer très rapidement. Bonsoir, good evening. Chers invités, directeurs, journalistes et représentants des médias, chers amis et partenaires, bienvenue à tous. Merci de votre présence à cet événement. Au nom du groupe Sonobra et de Heineken International, je remercie nos 12 invités, du champion, du star du football mondial, M. Alessandro De Piero et M. Marcel Desailly. It's a really great honor for us that you join us and you accept our invitation. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour nous un immense plaisir de vous accueillir parmi nous à cet événement exceptionnel. La présence de Del Piero et Desailly est un grand plus pour l'image d'une Tunisie nouvelle, ouverte, accueillante et connectée avec le monde. Je remercie aussi M. Mourad Zahidi, le grand commentateur, journaliste sportif tunisien et international, d'avoir accepté d'animer avec nous cette soirée spéciale et de nous avoir soutenu dans l'organisation de cet événement. Heineken est le sponsor officiel de l'UEFA Champions League depuis 20 ans. Heineken a installé la tradition de célébrer la passion du football dans le monde entier. On va finir par deux questions. Il y a le monsieur avec le chapeau d'abord. Pour commencer, bienvenue pour nous autres, Del Piero et Marcel. Et c'est une belle initiative de la part de Sonobra Group d'organiser ce point de presse. Donc, ma question est adressée à Del Piero. Monsieur Del Piero, est-ce que vous avez reçu des offres de quelques clubs européens réputés? Et avant de conclure, merci pour tous. Sì, io ho spesso ringraziato tutti i club, a partire da quelli europei, che mi hanno cercato soprattutto quando il momento di due anni fa, quando ho lasciato la Juventus. Oui, il y a eu des propositions de pas mal de clubs européens il y a deux ans quand il a quitté la Juve. Ma mi ero messo in testa di poter fare un'esperienza lontano dall'Europa. Mais il avait à l'esprit une idée, c'était de faire une expérience en dehors de l'Europe. Je vais revenir sur la Champions League. Una domanda per Alex, il capitano. Allora, questa sera sarai per il Real Madrid di Ancelotti Zidane o di Diego Simeone, Atletico Madrid? Beh, se la metti così, ovviamente sono per il Real Madrid, no? Perché entrambi sono due ragazzi fantastici, oltre che dal punto di vista umano, oltre che dal punto di vista calcistico, non serve che lo rimarchiamo. Quindi sì, sono ovviamente più affezionato a loro due che a Simeone. Anche a Simeone, perché Simeone mi ha fatto una stagione straordinaria e merita veramente, la squadra merita davvero tanto.